Bonsoir aux téléspectateurs des îles de l'océan Indien. On est en direct du gymnase de Champigny à Saint-Denis pour vous faire vivre en direct ce premier match de la poule B du tournoi de volleyball comptant pour les 9e jeux des îles de l'océan Indien. Un match qui promet entre Maurice et le pays hôte, la Réunion. Vous voyez les gradins noirs de monde ici à Saint-Denis, c'est dire que l'ambiance est là, ça chauffe, ça bouillonne dans les gradins. On a une équipe mauricienne gonflée à bloc pour se poser au pays hôte, aux filles de la Réunion qui veulent quand même réaliser une très bonne performance pour leur entrée en matière dans ce tournoi. Pour assurer les commentaires de ce match, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Stéphane Mouezi, quelqu'un qui a été pendant longtemps, pendant environ 20 ans au service du volleyball réunionnais. Vous avez été entraîneur de club, entraîneur national. Alors ce match, c'est un match fou, n'est-ce pas? Oui, c'est le match rêvé, c'est un superbe match pour cette première journée du championnat de l'océan Indien, là, pour les 9e Jeux des îles. Ah, c'est de la confrontation qu'on attend toujours, Réunion-Maurice. On sait à quel point ces deux îles sont très proches dans le niveau de jeu. Et je pense que ce soir, rien qu'à regarder. Et vous voyez l'ambiance dans les gradins, électrique quand même. Et ça promet. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait du beau spectacle ce soir. Mais peut-être rappeler aux téléspectateurs qu'il y a eu un match avant celui-là. Oui, c'est un match comptant pour le groupe A. Pour le groupe A, avec une victoire des Malgaches sur les Maldives. Facile, 3-0. Victoire 3-0, mais une belle entrée en lice et une belle première compétition pour les Maldives. C'est leur première participation en 9 Jeux des îles et elles nous ont montré des bonnes qualités. Mais bon, après, il faut rester réaliste. Hein, les Malgaches étaient largement au-dessus ce soir. Et donc, il y a eu une belle victoire 3-0. Et on attend le choc. Dans la poule A, 25-14, 25-12 et 25-16. Ça a été sans appel, comme on l'a dit, direct, sans fioriture pour les Malgaches. Là, ça va être une autre paire de manches entre la Réunion et l'île Maurice. Vous voyez la composition des équipes, les filles qui seront engagées dans ce match dans quelques instants. Alors, dans la poule B, on le sait maintenant, il n'y a que deux pays, la Réunion et Maurice. C'est dire que ces deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour le prochain tour, soit les demi-finales. Alors, l'enjeu, bien évidemment, ce soir, c'est de bien démarrer dans cette poule. L'enjeu, c'est la première place dans ce groupe, n'est-ce pas Stéphane? Oui, l'enjeu de ces deux doubles rencontres qui auront lieu ce soir et demain soir, c'est d'être classé première pour normalement essayer d'éviter de l'autre côté l'ogre séchellois qui truste les titres des médailles d'or en volleyball féminin. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment finir premier? À vue du match des Malgaches tout à l'heure, on sait que de l'autre côté, Malgaches et Seychelles, deux grosses équipes. Donc, tout est relatif. Est-ce que les coachs ont vu le match d'avant? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils vont calculer? Je pense qu'avant tout, ce soir, les deux coachs vont vouloir gagner. C'est important de commencer une compétition par une victoire. Et de frapper des esprits également. Voilà, il faut frapper les esprits parce que ces deux équipes peuvent très bien après se rencontrer. Elles ne seront pas en demi-finale, mais on peut très bien revoir un duel Réunion-Maurice sur la finale. Donc il est temps, voilà, chacun doit marquer, et surtout la Réunion dans cette nouvelle salle après la dernière défaite de 98, il est temps de montrer un nouveau visage. Voilà, vous l'avez vu un peu plus tôt au bas de votre écran, le premier arbitre de cette rencontre, c'est un Malgache, Eri Lirin Rajwanarison. Il est épaulé dans sa tâche ce soir par un Seychellois, Gaëtan William. Alors, les joueuses du côté de la Réunion, il y a Myriam Juster, c'est quelqu'un qu'on ne présente pas ici à la Réunion, c'est la capitaine de cette équipe. Les autres joueuses, alors si vous me permettez, Adèle Julie, la doyenne de cette équipe à 30 ans, Natacha Taristas, Caroline Vincent, Victorine Ouata, Stacy Fiji, Anne-Cécile Vido, Aurélie Posé, Isa Boris, Priscilla Taristas, Roxane Posé, Gaëlle Marian, la libéro, l'hymne national. Thank you.
accueil. Ce public réunionnais qui va être derrière son équipe tout au long de ce match face à l'île Maurice. Justement, l'hymne national mauricien. Des supporters mauriciens, petits par le nombre, mais ils seront grands quand même par la façon dont ils vont soutenir leur équipe ce soir ici au gymnase de Champfleury à Saint-Denis. Dans oui, quelques instants, le coup d'envoi de ce match. Alors, cette équipe réunionnaise est entraînée par David Françoise. Du côté des mauriciennes, donc les joueuses, Johanita Latour, Lisabonne, Lucie Latour, Stécie Armougom, Rachel Christine, la libéro, Nathalie Letendry, la capitaine, Priscilla Kelly, Vanessa Chelumben, Elisabeth Mohangou, Mélodie Moutoussami, Alison Latour et Félicia Julie, Lindsay Wilson. C'est l'entraîneur de cette formation, de cette sélection mauricienne. On le disait un peu plus tôt, Stéphane Mouezi, une ambiance du tonnerre ici à Saint-Denis pour ce match d'ouverture de la poule B. Pas de véritable enjeu. Si, si, c'est la première place, n'est-ce pas ? Si, la première place est un véritable enjeu dans cette poule. Une grosse ambiance ce soir, oui. Saint-Denis est une capitale sportive, une capitale du volleyball, avec un club féminin extrêmement représenté dans cette sélection. Hein. 6 joueuses de cette sélection jouent dans le club de Saint-Denis. Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie ferveur ce soir. On peut se rendre compte que le public est vraiment derrière ces joueuses et que je pense on va assister à un beau spectacle. Mais c'est vrai que il est très très important cette première rencontre. Il faut absolument marquer l'entrée de ces jeux, montrer à l'adversaire le niveau. On voit que les joueuses séchelloises sont dans les tribunes. Dans ce genre de duel, les premiers points sont très importants. Ouais. Tout à fait. L'entrée en matière des équipes est très très importante. Il faut tout de suite prendre l'ascendant, il faut tout de suite faire douter l'adversaire. Et c'est ce que va essayer de faire chaque équipe avec une qualité de service. Essayer d'abord de déstabiliser la réception adverse pour essayer d'imposer après son propre jeu. Et cette équipe réunionnaise qui retrouve son public après quoi ? Après 17 ans hein ? Après 17 ans, depuis 17 ans, cette sélection féminine n'a pas évolué. La dernière fois qu'elle a évolué ici, c'était au Stade de l'Est en finale des Jeux des Îles en 98. Donc voilà, 17 ans après, elle revient. Et vous étiez partie prenante quand même. Oui, à cette époque. J'étais l'entraîneur national de l'époque. On avait perdu en finale au tie-break après avoir mené 2-0, 14-10. Revivre ces moments, commenter avec vous cette rencontre me fait revivre tous ces moments. Ouais, beaucoup d'émotions, ouais, ça oui, c'est sûr. C'est beaucoup d'émotions. Ouais. Alors le 13, Roxane Posé oui, au service pour voilà. Démarrer ce match. Tout à fait. Peut-être sur les chapeaux de roue. Oui, on va essayer. Qui sait ? Allez, on va suivre le service. D'entrée, c'est important. La Réunion a gagné le tirage au sort. Elle a décidé de servir pour essayer tout de suite d'enclencher. C'est un signe ? Ouais, le tirage au sort, généralement, pour connaître Roxane, pour l'avoir dans mon club, je sais que quand elle gagne, généralement, quand on gagne le TOS, on prend toujours le service et c'est toujours souvent elle la première serveuse. Donc voilà, c'est histoire de continuer sur les mêmes, la même lancée, c'est de continuer à entamer la partie. Servir, c'est la première manière d'attaquer le terrain adverse. Coup de sifflet. Voilà. De la première arbitre, premier service.
Bien défendu quand même là de la part des Morrison. Le très beau premier smash ouais, très beau point, de ouais. ce match. Très beau point. Et c'est bon, hein, c'est bon pour les Morrison. Ouais, ouais, très, très bonne attaque. Elle a réussi à bien jouer les mains, jouer un bloc out pour empêcher la balle de revenir dans le terrain. Très très belle attaque. Au service, Félicia Juni. Il faut assurer la couverture, c'est fait. Le smash. Ça fonctionne bien quand même le bloc mauricien. Le bloc mauricien est en place, oui. C'est ce qu'on peut voir ce soir. Voilà, le premier point de l'année par les réunionnaises. Par Anne-Cécile Vidot. Petite balle poussée au fond de terrain. Pour avoir Cécile Fidji au service. La plus jeune joueuse de l'équipe réunionnaise. Balle frappée. Le point est accordé à. Le point est accordé à Maurice pour une faute de défense. La balle a été jugée portée par l'arbitre. Il faut dire que cette sélection mauricienne a eu un sacré coup de pouce de la part d'un DTN français, Fabrice Chalandard, que vous connaissez très bien. Oui, Fabrice a évolué en équipe nationale et il a entraîné à Lyon. Il était conseiller technique, donc c'est une personne extrêmement qualifiée et qui a apporté tout son savoir et toutes ses connaissances pour aider dans la préparation des équipes mauriciennes. Et on voit tout de suite la touche de Fabrice, hein, une équipe qui joue très rapidement. C'est dedans. C'est jugé dehors. La balle n'a pas été touchée au compte. La première arbitre malgache. Je annonce la balle dehors. Malheureusement pour les Mauriciens, donc 2 points partout. Un match qui démarre quand même sur de bonnes bases. Et techniquement, c'est pas mal du tout. Ouais. Oh non, le service réception de la part de la libéro de Maurice. Attaque dehors. Très nettement balle dehors. La passe était légèrement loin du filet. Elle a essayé de jouer les mains. Et donc la balle là s'est retrouvée nettement dehors. Anne-Cécile Vidot, service pour la sélection réunionnaise. Service dehors, très long. Ouais, trop long. Trop long, oui. Ça, c'est des erreurs. Il n'y a pas eu de prise de risque. C'est des erreurs qui ne doivent pas être commises à ce niveau-là. Égalité 3 partout dans ce premier set. Nathalie Le Tendry, capitaine de cette sélection mauricienne. Ah, c'est directement dans le filet. Faute de filet. Faute directe. On peut observer quand même assez pas mal de stress, hein, dans ce début de rencontre. Les joueuses n'arrivent pas encore à être complètement libérées. Il n'y a pas de relâchement, elles ne sont pas là. Donc je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu, quelques actions, un point ou deux un peu long. Bonne réception là quand même de la part des Mauriciennes. L'attaque bien défendue de la part des Réunionnaises, mais malheureusement. La balle ne reste pas dans les limites du terrain. Et donc voilà. Le point accordé donc à la sélection mauricienne. Morangou, Elisabeth Morangou au service. Pas très mal. Bon service, c'est très un bon service placé. Ouais, bon il a bien vu cette zone dégagée là. Ouais, en plein milieu. Dans la zone de conflit, la balle est tombée très très vite. La balle a flotté et elle est retombée très très vite. Allez. Elisabeth Morangou, encore une fois. Bien servi. La jeune Natacha Taristas. Voilà. Voilà. Et là. Beaucoup de. La défense mauricienne n'était pas vraiment en place. Mal touchée au bloc, c'est ça le problème, c'est que la balle a été touchée, donc la défense après a été perturbée. Mais on peut voir quand même que le bloc et la défense mauricienne touchent tous les ballons. Isa Bourris au service pour la Réunion. Égalité parfaite pour le moment, 5 partout. Est-ce que c'est dedans? Non, balle annoncée c'est dehors hors par des les limites juges du terrain. Nouveau point pour la Réunion. Belle ambiance, hein, de bonnes conditions quand même pour vivre du beau spectacle. Un très bon spectacle, un très bon public, une très bonne ambiance, du beau jeu. On peut dire que pour l'instant, on est gâté. Et puis quoi de mieux qu'un gymnase complètement rénové, hein, pour un match pareil. Oui, là on voit que on est dans un très bon cadre. À la libéro là qui a touché la balle, qui est à mon avis que son entraîneur lui a annoncé la balle dehors, elle a touché. Donc une elles mauvaise, se sont mises en difficulté, mauvaise les réunionnaises. La balle était assez facile, elles auraient dû. Le service qui change de main avec cette fois. Oh, très bon service. Joannita Latour. Bon service des Mauriciennes. Avec beaucoup d'effets quand même. Ouais, très beaucoup très bon service. Ouais, voilà, là,
balle flottante. Ouais, on est mise en difficulté de la réception de réunionnaise. On a quand même l'impression que la balle zigzague. La balle, c'est contact de très loin, la balle flotte. Très bien servi encore une fois. Ouais, ouais. Et c'est à l'intérieur des limites du terrain. Ouais, ouais, ouais. Elle a un service. Et Maurice qui prend les devants. 8 à 6. Ouais, 8 à 6 au premier temps mort technique. Sur deux très très bons services. Lindsay Wilson va certainement encourager davantage ses filles. Ah, cette équipe mauricienne a eu quand même une très bonne préparation ponctuée par une participation à la Coupe d'Afrique des Nations où elles ont quand même gagné face au Botswana. C'est dire que c'est une équipe bien en place. Ce sont des filles qui jouent ensemble depuis un bon moment maintenant. Il y a cet ensemble dans le jeu. Et racontez-moi maintenant comment ça s'est passé du côté de la Réunion. Bon, la Réunion est partie se préparer, donc le championnat a fini très tard à la Réunion. Elles sont parties se préparer au mois de mai en métropole contre des équipes de National 2, National 3. Puis après, elles ont fini leur préparation à la Réunion. Elles ont joué contre des équipes de garçons. On n'a pas pu accueillir d'équipes de joueurs professionnels à l'extérieur pour nous préparer. Donc c'est vrai que la préparation était un petit peu plus compliquée, mais bon, elles se sont beaucoup entraînées, elles ont fait beaucoup de matchs amicaux. Ouais, vous voyez le cadre tricolore dans les gradins du gymnase de Champfleury, c'est dire que l'équipe mauricienne n'est pas venue la fleur au fusil. Hein. Ah non, mais pour l'instant, en tout cas, on a une très belle démonstration et on voit que la préparation, on voit que cette compétition internationale d'Afrique qu'elles ont faite, on voit ça se ressent dans la manière de jouer parce qu'elles ont eu une très grosse confrontation. Un tout petit peu trop fort cette fois de la part de Joannita Latour. Ouais, c'est dehors. Généralement, je pense que l'entraîneur, on voit Lindsay qui n'est pas en colère. Généralement, on dit toujours que de ne pas rater le service après le temps mort, que c'est important que de ne pas rater. Et là, la joueuse s'est mise en difficulté. Natacha Taristas qui était au service. Il faut attaquer ce ballon, c'est fait. Voilà. Bonne. Là, les Réunionnaises qui vont pouvoir construire. Bon bloc quand même là, de la part des Mauriciennes. Bah, bien en place. Là-dessus, c'est comme sur des matchs qu'on a dit, il ne faut pas faire la faute. Il faut construire le ballon, il faut forcer l'adversaire à aller faire le point. Et Maurice qui garde ses deux points d'avance, 9 à 7, même si on a perdu le tableau du score sur l'écran. C'est dehors. 10 à 7. 10 à 7 encore. Là, c'est la Réunion qui fait les fautes. Maurice est très bien organisé et Maurice force la Réunion à aller dans un jeu qui lui convient peu. Lucie Latour, très bien servi encore une fois. Entre deux joueuses réunionnaises. Très 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 bonne défense mauricienne. On a mal attaqué quand même cette balle en cloche. Voilà, ça a été. Voilà, donc il faut. Elle semble avoir été touchée sur l'action précédente, la libéro la Réunion Gaëlle Marian. Elle va avoir le temps là sur cet échange-là de récupérer. Mais c'est vrai que l'impact était. L'attaque a été très 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 dure. Roxane Pesé. C'est dehors. Et oui, on fait beaucoup de fautes, on fait beaucoup trop de fautes. Hein. Même si c'est la pression devant son public. Je pense que là, pour l'instant, on entame match le mal, on a le bras un petit peu qui tremble. On ne prend pas les risques, on voit bien que les balles sortent dehors alors qu'il n'y a pas de prise de risque, alors que les Mauriciennes jouent un ton au-dessus pour l'instant. Voilà, première attaque au centre de Myriam Koster. Il faut absolument que la Réunion arrive à stabiliser sa réception. En tout cas, ça a été très bien exécuté. Hein. Voilà. C'est 11 à 9. Il faut utiliser. Hein. C'est la pièce maîtresse du jeu réunionnais. Donc, il faut absolument faire l'effort à ce niveau-là. Bonne réception de la part de Lucie Latour. La frappe de l'autre côté avec Nathalie Le Tendril, la capitaine. Voilà, pas de faute. Ballon rendu finalement. Voilà. C'est bien frappé. Voilà, bel beau contre. Ouais. Et après la passeuse Isa Bouris qui a été jouer cette balle au-dessus du filet, qui a appuyé un peu plus fort. Et ce qui permet de la Réunion de revenir à un point avec toujours Stacy Fidji au service. Très bon service. Bonne réception aussi. Oui. La passe n'est pas mal très, du tout. Très belle, ça c'est très bien fait très de la part des Mauriciennes avec Nathalie. Le Tendry. Très bel enchaînement sur le bout de filet alors que la balle était difficile. Bien négocié cette balle sur le haut des mains. Voilà toute l'expérience, on voit. Voilà, elle est montée haut quand même. Voilà, tout à fait. C'est ces matchs internationaux où on voit qu'elles ont été confrontées à des joueuses. Où quelque part on voit bien qu'est-ce qu'elles nous présentent. On a pu garder le ballon dans le jeu.
Ah, la balle est encore un peu loin, faute de filet. Faute de bloc mauricien. Dommage parce que le bloc mauricien est bien en place ce soir. Et là, il va falloir les forcer à aller faire les fautes. Donc, il va falloir jouer sur le haut des mains pour les forcer à aller à la faute. Parce qu'on voit pour l'instant une équipe mauricienne bien en place qui fait très très peu Cécile de fautes. Vidéo pour le service. Oui, c'est vrai qu'on voit une équipe mauricienne bien en place, disciplinée, beaucoup de rigueur. La réception de Le Tendry, c'est bien frappé, c'est à l'intérieur. Très belle attaque rapide, belle réception, passe en suspension. Très belle attaque en courte. Et on voit l'attitude des mauriciennes. Elles sont là, elles jouent sans complexe. Tout à fait. Là, elles ont toujours leurs deux points d'avance, elles conservent le break. Nathalie Le Tendry, justement, la capitaine. Qui avait été très bien servie déjà, pareil. Troisième participation au jeu des îles. Ah. Bien défendu là de la part des réunionnaises, mais ça va revenir. Voilà, bien défendu, bien touché ballon au toujours bloc. Dans le jeu. Ah là là. Voilà, réception là, quand même avec beaucoup de difficultés. Il faut rendre le ballon maintenant. Les Mauriciennes vont rendre les balles à la Réunion. On accélère là, voilà. C'est un smash qui fait mal. C'est un match Natacha Taristas sur la ligne. Une belle ligne trouvée. Et qui permet aux Réunionnaises de revenir à un point. Les deux équipes ont su être patientes. On voit du beau volleyball. Hein. C'est des points qu'on voit. Hein. C'est pas des fautes. C'est ça qui est intéressant. C'est du beau jeu. Myriam Kloster. Au service. Ah, la passeuse, voilà, balle loin du filet, très bien négocié. Ah, bien frappé quand même. Très bien négocié. La balle n'était pas quand même servie dans de bonnes dispositions, mais elle a pu redresser. Balle difficile. Ce ballon, Lucie Latour. Très balle difficile, c'est ce qu'on dit. Avec un peu de réussite quand même. Oui, je pense que là, la défense arrière doit négocier ses ballons beaucoup mieux que ça à La Réunion. C'est pas des ballons difficiles à jouer, il faut être mieux organisé. Bohangou pour le service. Ah, là, bien servi, bel service. Encore une fois, hein, ce service un peu vicieux, on va dire. Ouais, le service, il flotte, il tombe très vite. En fait, une fois que le service a passé le filet, on a l'impression qu'il retombe très très vite. Temps mort demandé ici par David Françoise, l'entraîneur de La Réunion. 15-12, juste avant le temps mort technique, il a senti que son équipe avait besoin de récupérer, il avait besoin d'aller distiller 2-3 consignes. Et de remettre les pendules à l'heure. Voilà, tout à fait. 15-12 dans ce premier set pour l'équipe mauricienne. Il faut savoir qu'il y aura le match retour demain, ici même, au gymnase de Champfleury à Saint-Denis. Donc ça, c'est une double confrontation pour ces deux formations. Tout à fait. C'est une double confrontation où, comme dans ce style de rencontre, tous les sets vont être importants, tous les points seront importants ce soir, puisqu'il y aura le classement sera fait à l'issue de ces deux rencontres. Et peut-être que si on se retrouve avec une victoire partout et voilà, des sets partout. Une des attaques de la réunion avec Myriam Kloster. Ouais. Alors c'est quoi son histoire, celle de Myriam Kloster? Myriam Kloster, c'est dernièrement la MVP du championnat de France de Pro-F. C'est une joueuse qui a commencé le volleyball à la Réunion et qui après a pu par son niveau atteindre et partir rejoindre les équipes nationales en jeunes et les équipes nationales en seniors. Et voilà, c'est l'image, c'est l'emblème du volleyball réunionnais. Donc, certes, il y a un duel entre La Réunion et Maurice sur le terrain, mais pour les commentaires, c'est un partenariat mauriciano-réunionnais. Hein. Oui, ben voilà, je pense que La Réunion et Maurice sont là pour nous présenter un beau spectacle, une belle fête, et je pense qu'on prend plaisir. Et puis je pense que dans ces rencontres, moi j'apprécie d'abord tout, c'est le beau jeu, et on voit que ce soir deux belles équipes et que le meilleur gagne, et c'est ça qui est important, hein, comme on est dans les... Comme on dit dans les Jeux des îles, c'est l'important, c'est de participer aussi, il faut c'est gagner. Le partage. Voilà. Et là, on voit des choses, de très belles choses. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on voit une très belle rencontre avec une équipe mauricienne. Pour le moment, ce sont les rouges et blancs qui tiennent le bon bout. Mais on peut dire... Ils tiennent le bon bout, 16-13, oui, 3 points d'avance. On peut dire que c'est largement mérité, l'avance des mauriciennes est largement méritée. On voit une plus grande stabilité et on voit... Les mauriciennes font beaucoup moins de fautes. Plus de maîtrise technique. Oui, hein. Beaucoup moins de fautes sur des ballons difficiles. On voit tout à l'heure... Il n'y a pas de cadeau. Et on voit bien que les réunionnaises ont raté 2-3 balles faciles sur le jeu arrière, que les mauriciennes actuellement ne font pas ces erreurs, et c'est ce qui leur permet d'être devant au score. Alors qu'on voit au ralenti une des actions
dans ce premier set, 16 à 13 pour Maurice avec Juanita Latour. Ah, cette fois c'est dehors. Ouais, dehors. Un peu trop appuyé. Ça fait deux fois que Juanita se retrouve au service juste après le temps mort, deux fois qu'elle le rate. C'est les quelques erreurs que l'équipe nationale de Maurice a faites pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, elles sont toujours au score, elles sont toujours devant. Et Natacha Taristas, bien servie, bien réceptionnée également. La passe dans le dos, mais malheureusement, dehors, voilà. Voilà, la frappe de Juanita Latour, encore une fois. C'est ce qu'on a dit, là, il faut que l'équipe réunionnaise arrive à être forcée plus dur le service. Elle doit essayer de mettre la réception mauricienne. Ouais. Pousser ses adversaires à la faute. Voilà, il faut pousser, donc pour ça, il faut servir plus dur. Voilà. Comme ici. Voilà. Il suffisait de le dire. Voilà, on voit toute la rage de Natacha, hein, une petite joueuse avec un talent extraordinaire. Et on voit que c'est elle qui est en train de ramener son équipe actuellement. C'était elle tout à l'heure qui a fait les deux attaques percutantes. Et égalité, voilà, partout. À nouveau un bon service. Mais bien réceptionné. Bien réceptionné. Oh, très belle attaque. Attaque mauricienne. Quelle hauteur. Ah, elle est passée au-dessus du bloc dionysien, au-dessus du bloc réunionnais. C'était en force, mais bien placée également. Ouais, c'est une belle attaque. 17 à 16 dans ce premier set pour Maurice avec Lucie Latour au service. Toujours dans cette zone-là. Hein. Ah ouais, belle. Oh là là, quelle attaque là, ça a été difficile de défendre. Ouais, ça y est, je crois qu'on peut dire que des deux côtés, le match est lancé. On est à 17 partout, on va arriver bientôt dans le Money Time. Le Money Time en volleyball, c'est quand les deux équipes arrivent à 20. Et là, on est à 17 partout et on voit que ça y est, elles se rendent coup pour coup à celui qui va faire le moins de fautes maintenant. Roxane Posé, réception de la part de la libéro. Voilà. Belle passe. Oui, voilà. Bien défendu par Isa Bourris. Belle passe de relance de la centrale et capitaine Myriam Koster et Stacy Fiji qui finit sur une attaque croisée en poste 2. Tout de suite, temps mort de l'INSEE. Oui, les Mauriciens qui ont essayé de surprendre quand même les Réunionnaises avec ce deuxième ballon joué. Ouais, Et par la suite, elles ont bien profité de l'aubaine. Tactiquement, c'était bien essayé de la passeuse. Hein, à ce moment-là, tenter la deuxième main, c'est bien essayé. Maintenant, la défense réunionnaise était vigilante et on a su contre-attaquer correctement, se saisir de cette contre-attaque. Donc c'était important de repasser au score devant. Maintenant, il va falloir tenir, il va falloir faire à nouveau un break. Donc c'est ce jeu de service-réception qui devient important. Et ça va commencer avec Roxane Posé qui a à nouveau au service. Service smashé. Voilà, très bien servi. Maurice va devoir rendre la balle facilement. Ah là 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 là, c'est pas aussi facilement que c'est ça. C'est dommage de ne pas profiter de ces ballons qui ne sont pas attaqués. Bonne passe, la frappe. Et très c'est belle attaque mauricienne. C'est dommage, on sert bien. On met l'équipe de Maurice en difficulté et on n'arrive pas à exploiter cette balle de relance. Les Réunionnaises ne sont pas assez vigilantes sur ces balles faciles alors que smash. Ouais, voilà, très beau smash. La Réunionnaise Anne-Cécile Vidotte était un peu trop avancée dans le terrain. Très bonne réception. Voilà, attaque de Myriam Koster au centre. Il est important de retrouver sa capitaine dans ces moments. Stacy Fiji au service. Le chassé-croisé au niveau du score qui se poursuit. C'est désormais la Réunion qui est devant, 19 à 18. Ouais, bon service de Stacy Fiji. Très bonne réception. Qui permet aux joueuses réunionnaises de faire un premier break. Mais on voit que depuis quelques ballons, les Réunionnaises servent un peu plus dur. Elles ont un petit peu accéléré, voilà. Ouais, elles ont rehaussé quand même le jeu. Voilà, elles ont rehaussé le niveau de service. Premier changement. Hein, la tour bonne qui remplace la tour. Je pense que c'est pour essayer de stabiliser la réception. Exactement. Sur ces quelques points à venir. Surtout sur le service de Stacy Fiji. Qui a donné quand même du fil à tout retordre. Là, c'est une faute directe. Exactement, ce qu'on disait tout à l'heure. Très, très bon changement de l'INSEE, l'entraîneur mauricien, qui a cassé le bras de la serveuse réunionnaise. Entrée de Julie Adel, pareil,
pour ses qualités de défenseuse, pour doubler avec la libéro, avoir pendant quelques points de la réception et de la défense. Ça, ça a été très bien servi. Hein. Et voilà. Un service qui a mis en difficulté une faute les Réunionnaises. Voilà, une faute de service et une faute de réception. Et on se retrouve actuellement. Un des rares cadeaux accordés à l'équipe mauricienne. Hein, et ce qu'on avait dit tout à l'heure, on se retrouve à 20-20 à égalité en ce moment du match. Voilà, la réception dionysienne, la réception réunionnaise toujours en difficulté. Très bon bloc de Lisabonne et ouais. Elisabeth Mongou. Ouais, ça a superbement bien fonctionné là pour les Mauriciennes. Ouais, les Mauriciennes ont très très bien joué le jeu. Là, il y a une très bonne qualité de service. La réception réunionnaise est en difficulté. Faute de pénétration. La passeuse Lisa Bourris est rentrée, a repris sa position avant la frappe de service. Donc deux points d'avance pour Maurice. Voilà, on peut. Maurice qui est à 3 points du bonheur, quand même, dans ce premier set. Tout à fait. On peut voir que tout à l'heure, l'INSEE, l'entraîneur mauricien, a pris son temps mort à 20-18, a fait un changement. Et on voit à quel point ce changement a été judicieux, puisque depuis, les Mauriciennes ont enclenché 4 points sans que les Réunionnaises puissent marquer un seul point. Alors c'est vrai que cette équipe mauricienne, après sa finale perdue en 2003 en terre mauricienne, eh bien, elle est passée quand même par des moments très difficiles. Hein, oui. Avec deux éditions des Jeux des Îles complètement ratées en 2007 et 2011. Oui, ils sont passés, pas de podium, à très loin, avec un niveau de jeu très 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 médiocre, très moyen. Alors que là, on voit ce soir une très belle équipe mauricienne, hein, un beau niveau de jeu, une belle équipe, une jeune équipe surtout. Hein, moyenne d'âge de 23-24 ans. Voilà. Mais malheureusement, Vanessa Chilumbrum voit son service passer à côté. Service dehors. On va Isa Bourris, Anne-Cécile Bidotte qui va se présenter au service. Attention, pour essayer de recoller. Ouais, il faut essayer de avec recoller elle, au score. Ça ne plaisante pas. C'est Anne-Cécile Bidotte. Voilà, bien servi. Voilà. Donc, Mauricienne vont rendre le ballon à la réunion. Et elles vont construire à l'attaque. Voilà. Ok, très belle défense des Mauriciennes qui vont rendre le ballon. Il faut absolument réussir à convertir ce point. Bien défendu encore une fois de la part des Mauriciennes. Quelle défense des Mauriciennes qui ne lâche pas ce jeu. La Réunion qui n'arrive pas à mettre la balle par terre. Faut assurer la passe. L'étendry au filet. Et voilà. Le point qui est accordé aux Réunionnaises pour une faute au filet. 22 partout. Égalité parfaite. Le mano à mano. Et il faut absolument. C'est important ce prochain temps mort. Anne-Cécile Bidotte va se présenter au service. Il va falloir que tout de suite le prochain point va donner un avantage, tout petit avantage psychologique, surtout psychologique. Actuellement, on est dans des avantages psychologiques plus qu'au score, puisque à 22 partout. Et on se rapproche, on est à 3 points de la fin de chaque set. Donc chaque point engagé va être des points très très importants. Donc je crois que les entraîneurs ne vont pas trop se soucier de la manière dont ils vont être marqués. Mais c'est l'important, c'est de faire défiler le score. Et il est important. Donc on va voir comment va se comporter tout de suite la réception mauricienne sur ce service d'Anne-Cécile Bidotte. Le suspense reste entier. Voilà, bon service. Bien réceptionné par les Mauriciennes. Par la libéro. Bien joué en bout de filet. Très belle attaque. Le point brillamment remporté. Brillamment remporté en jouant les mains du bloc réunionnais. Hein. Pourtant, face à elle avait Myriam Kloster au bloc. Donc, ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui mauricienne. Voilà, la capitaine mauricienne. Nathalie Le Tendry pour le service. Très bon service. Très belle réception aussi par contre. Ah, il faut assurer la couverture, c'est fait. Ouais, on n'attaque pas les Réunionnaises n'attaquent pas actuellement, elles ne mettent pas la balle par terre. Voilà, la petite Natacha Taristas à nouveau. Oui, elles ont pu se ressaisir quand même les Réunionnaises. Qui prend cette ligne, très 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 belle ligne de Natacha Taristas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la dynamite, c'est celle qui actuellement met les balles par terre pour cette équipe. Oui, on voit bien, la balle est bonne. Service de Myriam Kloster. Voilà, belle défense. Allez, c'est là-dessus. Il faut y aller. Ah là là. Pour rendre le ballon maintenant aux Mauriciennes qui vont pouvoir attaquer. Les Mauriciennes qui vont contre-attaquer. Le smash, belle bien défense. Défendu par les Réunionnaises. Voilà, c'est beau.
Très beau match, très bel enjeu. Block out, Natacha Paristas. Malheureusement pour les Mauriciennes. Ah, dommage, présence au bloc. On peut voir la rage, la fougue de cette Natacha Paristas, qui doit être, si je ne me trompe pas, la plus petite joueuse sur le terrain. Mais elle a beaucoup de talent, elle a une très très bonne détente. Première balle de 7 pour les Réunionnaises avec Cluster au service. Un très bon service. Voilà. Bien placé. Eh oui, très bien fait. Hein. C'est une balle où la Réunion n'aurait pas dû monter au bloc. Égalité parfaite. Maintenant, chaque balle qui sera engagée donnera une balle de 7. On revient au direct. Voilà, faute de service. C'est un ballon qui est sorti. Un ballon qui sort. Hors des limites du terrain. C'est un cadeau offert là par les Mauriciennes réunionnaises. Voilà. 25 à 24. Un nouveau changement. Stacy Fidji qui reprend sa place. La Réunion qui essaye de grandir son bloc, de mettre une joueuse plus grande pour empêcher la balle de passer. Avec Isa Bourris, la passeuse réunionnaise au service, bon service, très belle réception. Et bien réceptionné, la passe dans le dos, ouais, bien ça défendu, a été bien fait, bien défendu également. Voilà, encore une belle défense. On a essayé de placer voilà, ce ballon. Ça joue, on voit que les points sont disputés. Il y a quand même certaines variations dans le jeu des Mauriciens. Ouais. Il y a plus de variations dans le jeu mauricien, mais quelle défense à nouveau. Voilà. Elle ne laisse rien passer. Ouais, c'est voilà. Qui marque après, et qui remporte. Après 3 défenses, 4 défenses. Voilà, ce premier set, 26 c'est une, à 24. C'est une deuxième main réussie par Roxane Posé. Hein, qui a un petit peu perturbé l'adversaire. L'adversaire s'attendait sans doute à une construction. Hein, mais bon, à 26-24. Très très belle rencontre. Très beau premier set. Ça s'est joué très peu. Chaque équipe à un moment donné était devant au score. Et puis là, c'est les Réunionnaises qui arrivent à basculer devant juste à la fin. On le rappelle, l'enjeu. L'enjeu dans ce groupe B, avec cette double confrontation entre Maurice et la Réunion, le pays hôte, c'est de terminer à la première place pour éviter les favoris de ce tournoi. Ce sont les Seychelles, bien évidemment. Oui, les Seychelles. Du titre. Les Seychelles sont favoris du tournoi. Mais quand on peut voir le premier match, quand on a vu le niveau des jeux des Malgaches avec leur attaquante Lala, avec Eugénie et tout, et on voit le niveau aujourd'hui des joueuses mauriciennes, des joueuses réunionnaises, je crois que cette année, sur la 9e édition des Jeux des Îles, je crois que le niveau du volet féminin dans la zone n'a jamais été aussi relevé. Et je crois que c'est très très difficile ce soir de pouvoir dire qu'une équipe va être favorite. Parce que je crois qu'elles sont toutes les quatre équipes très proches l'une de l'autre. Et c'est que. Et puis ça nous a fait plaisir tout à l'heure. Là, on a commenté ce match entre Madagascar et Maldives. Première participation pour cette équipe dans le tournoi féminin. Et là, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. Elles sont à un point, hein, ces joueuses des Maldives. Reste maintenant à acquérir de l'expérience. Ça a du bon. Oui. Et ça augure. Quand même un avenir. Ça augure un avenir, ça me rappelle un tout petit peu les premières fois où j'avais vu le volet maorais apparaître sur les coupes des clubs champions dans la zone 7 et compagnie. Et le niveau était, bon, on se disait, il y avait des qualités, il y avait des choses intéressantes. Et puis on a vu 3-4 ans plus tard, on a vu que les maorais commençaient à gagner leur premier match, commençaient à se placer. Et je pense que les Maldives, en multipliant ce type de rencontres, ce type de matchs internationaux, vont très vite progresser. Parce qu'on voit qu'il y a des joueuses intéressantes, il y a du gabarit, il y a des qualités physiques, il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'il manque un tout petit peu de matchs régulièrement, il manque de confrontation et il manque surtout de lien. Ah, et puis bon, peut-être aussi, il n'y a pas l'expérience de tous ces coachs qu'on voit là. On voit bien Lindsay, le coach mauricien, Fabrice Chalanda précédente, et tout. Stéphane Mouezi, on voit bien que le public apprécie quand même le spectacle
Oui, je crois que... Qui est proposé par ces deux formations. Je crois que le public a toute raison d'apprécier le spectacle, parce que je pense que ces deux équipes nationales proposent une très belle confrontation, un très bon volleyball. Et puis c'est bien de commenter ce type de rencontre où ça se finit à 26-24, jusqu'au bout c'est serré, et je pense que c'est un match qui devrait durer. Maurice au service avec Lucie Latour. D'entrée un premier bon service, voilà, une première attaque mais bien défendue par cette libéro A. Portée, la première arbitre malgache signale un ballon porté en défense. Ce type de défense est souvent à l'appréciation de l'arbitre. C'est difficile, mais bon. Stacy Fidji. Stacy, oui, qui avait bien servi. Oh là là. Un œil dedans. C'est dedans. Voilà. Trajectoire quand même mal jugée là par les joueuses mauriciennes. On retrouve Stacy. À nouveau, une belle réception à 10 doigts de la mauricienne, libéro-mauricienne. Voilà. Bien défendu par les réunionnaises. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas cette fois. Ah non, la balle est bien bloquée, le bloc mauricien, le compte et mauricien était en place. L'équipe mauricienne qui marque son premier point du deuxième set. De ce deuxième set. 2-1. Félicia Julie au service. Oh là. C'est en force. Ouais, c'est en force. On a tout et de c'est suite, dehors. Tout de suite vu au contact que la balle allait partir dehors. De l'autre côté, la redoutable Anne-Cécile Bidotte qui va repasser au service, qui avait déjà été très performante sur la fin de ce set. Oh là là, ouais, très bon bloc, très belle attaque, très bon bloc. Mais ça revient, belle défense. Belle défense de Natacha Taristas et attaque basket de Myriam Koster. Très bon point, bien enchaîné. Bien distribué par Isa Bouris, puisque la seule solution qui lui restait, c'était une 3 mètres en pipe ou une basket. Et Myriam s'est retrouvée en 1 contre 0. On voit bien que le bloc mauricien n'a pas sauté. Voilà, elle est un peu en difficulté là, ouais, quand même, l'équipe mauricienne. Un léger doute là. On a l'impression que la perte de ce premier set, 26-24, a laissé quelques traces dans les esprits mauriciens, où ils ont un petit peu de mal à réengager ce deuxième set. On voit qu'un ou deux changements ont été effectués par l'INSEE. En tout cas, au score dans ce deuxième set, 5-1 en faveur de La Réunion, qui a remporté le premier set, je vous le rappelle, 26-24. Mais on assiste là au gymnase de Champfleury à Saint-Denis, un très beau match de volleyball. Vous voyez, cette action menée est conclue de brillante manière par la capitaine de cette équipe réunionnaise, Myriam Koster, au service de nouveau Anne-Cécile Bidotte. Anne-Cécile Bidotte, oui. Bon service. Ballon claqué. Très bien. Mais vous avez vu, Stéphane Mouezi, à quel point ce ballon tombe comme une feuille morte là dans cette zone. C'est souvent beaucoup d'effets. Et c'est ça, avec ces salles qui ont beaucoup de volume, généralement les balles retombent très très vite derrière le filet. Vous voyez, hop, encore elle est retombée assez rapidement. Mais cette fois la réception n'a pas été mauvaise. Ah, la balle est jugée bonne, très bonne attaque aux 3 mètres de la pointue séchelloise, de la pointue mauricienne. Exactement. Très très belle attaque, oui. Très bien exécutée. Pour revenir à 4 points maintenant des réunionnaises. 6-2 dans ce deuxième set au service Vanessa Chilumben. À nouveau service dehors. Là, elles ont pris un coup au moral. Le problème c'est que les mauriciennes, à chaque fois qu'elles récupèrent le service, elles ont du mal à récupérer le service et elles font la faute directe. Donc, techniquement, ces deux équipes se valent, mais c'est dans la tête que ça fait la différence. Actuellement, on voit bien qu'elles réception ont difficile, quand même difficile de Le Tendry. Voilà, on voyait tout à l'heure que sur ce style de ballon,
Les Mauriciennes attaquaient. Bon bloc, et aujourd'hui, bon bloc, voilà, bon qui bloc. Permet ouais. aux Mauriciennes de revenir au score. 7 à 3. Mais on sent quelque chose de cassé. Il y a un ressort qui est cassé dans ouais, cette équipe mauricienne. Oui, mais je crois. Je pense, il va falloir se ressaisir ouais, très vite. Il va leur falloir un point ou deux si elles arrivent à négocier les un point ou deux qui arrivent. Vous voyez, comme ça, après, automatiquement, le score va changer. Vous voyez, très belle, le ballon très belle qui est monté défense, très haut. Très belle défense, voilà. Pour rendre le ballon. Voilà, c'est bien fait. Oui. C'est bien fait. À l'aveugle, mais elle a pu trouver cette zone. C'est les Mauriciennes. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, les Mauriciennes étaient dans le doute. Et d'un seul coup, sur deux points, elles reviennent. Elles sont plus qu'à 7-4, moins 3. Est-ce que ce sont les Réunionnaises qui vont se mettre à douter? Parce que là, c'était quand même deux ballons assez facilement jouables. Et on voit que ça s'est mal fait. La capitaine Mauricienne au service. Voilà. Très bien frappé. Bonne réception. La petite Natacha, voilà, ouais, à nouveau. Ça n'a pas été touché. Non, mais balle touchée par la mire. Hein, elle a attaqué dans la mire. Donc voyez comment le match rebascule. Hein, troisième point d'affilée des Mauriciennes qui, ça y est, se sont relancées. Deux points seulement. Voilà, on va bon le voir. Bon service. Le doute s'installe. Ballon bien attaqué là en milieu de terrain. Les Mauriciennes remontent quand même. Oui, bah voilà, ça y est. Petit à petit, tranquillement. 7-6, voilà, il fallait. Doucement mais sûrement. Il fallait digérer la défaite de ce premier set et puis se remobiliser. On voit que c'est ce qu'elles ont fait. Voilà, et donc le temps que la réception réunionnaise a été un petit peu vacillante pendant 3-4 points. Et premier temps mort technique à 8-6 pour la Réunion sur une attaque de Natacha Taristas. Pour l'instant, c'est elle qui tient un petit peu son équipe. Mm-hmm. On peut le voir. Hein, donc, elle arrive à donner des points à son équipe à des moments importants. Voilà, Natacha est actuellement sur les ballons difficiles, sur les ballons importants, les négocie très très bien. Et elle permet à son équipe de rester devant, alors qu'elles avaient 5 points d'avance. Maintenant, on est dans un juste, il n'y a qu'un seul break qui est fait. On retrouve la physionomie du premier set. Belle équipe réunionnaise également. Oui, avec un beau public. Hein, voilà, je pense que l'image qu'on voit dans les gradins, c'est l'image qu'on attend des Jeux des Îles. Deux COP, un COP mauricien, un COP réunionnais, ouais. qui s'entendent, qui belle, chantent, belle qui dansent, communion une quand belle, même. Belle communion entre les îles de l'océan Indien. Voilà, je crois qu'on peut dire que le sport montre toutes ses valeurs, tout ce que le sport peut véhiculer, c'est très important. Isa Boris, la passeuse de la sélection réunionnaise au service. Bon service, voilà. Ouais. Mauvaise lecture quand même là de la part de la libéro. Ouais, en fait, c'est Rachel Christine. La numéro 5, la tour qui s'est effacée, qui a vu que la balle allait être haute pour elle, elle s'est effacée tout de suite, mais manque de communication entre les deux joueuses. Je pense que Madame Boris va resservir dans cette même zone, voilà. Voilà. Elle sent qu'il y a quand même une certaine mésentente hein, entre ces deux joueuses c'est ça. Derrière. L'idée, je pense, de l'entraîneur, c'est de demander de servir dans la zone de la numéro 5, de la faire reculer au maximum pour l'empêcher d'aller attaquer après au filet. Donc en la faisant reculer un maximum, ça complique le jeu offensif. Voilà. Vous voyez que. Elles se sont compliquées. Voilà, elles se sont compliquées. Là, de temps en temps, il faut donner de l'air au jeu. Hein, la réception difficile, il faut lever une balle haute sur le bout de filet et puis permettre à Mademoiselle Latour, qui a été pour l'instant très très performante à l'attaque, d'aller jouer avec le contre réunionnais. Et on voyait encore une fois de plus, on force Latour en réception pour après changer offensivement. Voilà. Voilà la stratégie du coach dionysien. Hein, on peut voir actuellement, il est en train d'essayer d'éliminer la numéro 5 hein, pour jouer devant la passe, juste devant la passeuse ou derrière. Ah dommage. Dommage, ce service smashé directement dans le filet. Point offert aux Mauriciennes sur ce service avec cette faute directe. Ah. Et c'est Elisabeth Mohangou
qu'on retrouve au service du côté de l'équipe mauricienne. Ah, bon ah, service, bon frappé. Service, pareil. Ouais. Pareil, même problème. Natacha Taristas qui se pose la question de savoir si elle est pour elle. Elle s'efface et la libéro derrière n'a pas le temps de venir intercepter ce ballon. Très bien servi, elle joue dans la zone de conflit, à l'endroit où la passeuse réunionnaise est en pénétration. Et c'est ce qui propose. Bonne voilà. réception quand même ah, cette fois-ci. Ouais, petite. On a essayé de jouer une combinaison. Joanita Latour. Ouais, bien, belle présence au filet. Hein, bien vigilante hein, cette balle qui a été contrée mais qui est restée au-dessus du filet et qui a permis tout de suite à la contreuse mauricienne de tout de suite poser la balle dans le terrain adverse. Elisabeth Mongou encore. Très bon service encore, très bon service. On a bien attaqué le ballon au filet, mais il va falloir défendre et construire. Et le bloc réunionnais qui fonctionne à merveille avec Ceci Fidji et Roxane Posé. Ceci Fidji, un bloc avec beaucoup de hauteur. Hein. Là, c'est l'arme de l'équipe réunionnaise, hein. C'est cette présence au bloc avec ses centrales entre Roxane Posé et Myriam Koster. Et puis on voit la hauteur de Ceci Fidji. On voit c'est toujours quand même difficile encore une fois pour les Mauriciennes. Très belle attaque de la tour, encore une fois de plus. Ballon bien placé. Oui. La balle a été doublée sur le contact défensif. Mais on peut voir qu'on voit d'un seul coup un nouveau visage de l'équipe mauricienne, ça y est, qui re-rentre à nouveau dans ce set. Et qui revient tranquillement. La Réunion. Ah, dommage. Faute directe. À nouveau, toujours cette lacune de l'équipe mauricienne. Beaucoup trop de fautes au service actuellement pour cette équipe mauricienne. Qui n'arrive pas à garder quand même durablement un temps fort dans un match. Ouais. ...14-10. Bonne réception. La part des Mauriciennes et là le bloc encore une fois qui fonctionne. Le bloc de Ceci Fidji et Myriam Koster, hein, on peut voir deux joueuses à plus d'1m80. Automatiquement ça se complique. Et là Madame Latour a essayé de passer sur la ligne et Ceci Fidji avait fermé cette ligne. Belle lecture du jeu. Belle lecture, ouais, belle la lecture. Part des Réunionnaises. Ouais, encore belle réception. Très beau jeu, très beau jeu. Voilà. Bien défendu. Le Tendry pour la tour. On va pas faire la faute. Essaie de placer. Et là, on va jouer le jeu rapide. On va jouer dans le dos. Voilà, dommage. C'est dehors. Et oui, là, c'est des points cadeaux. Quand on a ce style de balle, il faut absolument convertir. Il faut mettre la balle par terre. On est à un point du temps mort technique. C'est important, comme on dit, d'arriver les premières au temps mort technique. Changement au service. Avec l'entrée de Stéphane Rougom à la place de Lucie Latour. Le coach mauricien. Elle a beaucoup tenté. Le coach mauricien essaye autre chose, hein, c'est de mettre d'autres serveuses, puisque pour l'instant il y a beaucoup de déchets dans ce secteur. Il essaye de mettre des joueuses qui vont peut-être apporter autre chose. Voilà. Au moins il n'y a pas de faute, hein, le jeu est propre. Voilà. Attaque au centre, attaque rapide en course de Myriam Koster. Mais la vitesse d'exécution là, de la part des Réunionnaises, ça fait la différence pour le moment. Bah là, le souci de l'équipe mauricienne, c'est qu'elles ont fait beaucoup de fautes au service et que maintenant, si elles prennent des risques, elles vont encore s'exposer aux fautes. Et si elles servent un tout petit peu moins bien qu'elles servent, elles vont donc rentrer dans ce qu'on appelle de l'engagement et donc prendre moins de risques, ce qui va permettre à la réception peut-être réunionnaise d'être un peu plus à l'aise et de développer son jeu rapide avec sa centrale actuellement, la Myriam Koster, qui est sur la position avant. Donc... Là, le dilemme appartient au coach mauricien de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut continuer à prendre des risques pour essayer de faire basculer la réception. Tout à l'heure, c'est ce qu'il avait fait. Hein, la Réunion avait aussi 5 points d'avance et on a vu que les mauriciennes sont revenues à 1 point en prenant des risques au service. Donc, je pense que c'est ce que l'entraîneur... L'apport du DTN français, Fabrice Chalanda, qui vous le voyez en blanc. Oui. Il va apporter tout son... Deuxième set dans ce duel entre la Réunion, le Pays Hôte et l'île Maurice. Ouais, toute l'expérience. 16-11 en faveur des Réunionnaises qui ont remporté, le premier set, le premier set, 26-24.
Donc au service pour les réunionnaises Stacy Fidji. Bon service, très belle passe, bon bloc. À nouveau, voilà, belle défense, voilà. À nouveau, bon bloc des Mauriciennes, hein, les Mauriciennes bien présentes sur ce jeu actuellement. Couverture superbement assurée. Oh oui, belle défense encore. Le smash de Tendry au passage. Les deux équipes se renvoient coup pour coup actuellement. Ah, oh là là. Eh oui, double portée. Voilà. Cette balle qui a été freinée au bloc par le contre-réunionnais et qui est retombée juste sur le filet, qui a été difficilement défendable par l'équipe mauricienne. Et la Réunion qui grappille des points un après l'autre. 17 à 11. Ouais. Au service, toujours Stacy Fidji. Voilà, à nouveau très bon service. Bien réceptionné également par Le Tendry qui est là pour attaquer ce ballon. Qui est encore dans le jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Oh oui. Ah là, non. Ouais, difficile quand même de contrer une balle pareille. Myriam Koster. C'était très belle attaque en basket. Hein, une attaque spécifique au jeu féminin, le volet féminin. Se joue avec ce type d'attaque et là on a pu voir à quel point cette attaque est redoutable quand elle est effectuée. C'est une attaque sur un pied derrière et qui demande beaucoup de vitesse et qui provoque beaucoup de doutes sur le contre adverse. 18 à 11 et temps mort demandé par la partie mauricienne, c'est pour casser un peu le rythme là. Oui, là actuellement il faut apporter autre chose, il faut changer. On voit bien que chacun essaye d'apporter son petit mot dans son temps mort. Il y a les prises de parole de la capitaine. Il y a une belle série de la part de Stacy Fidji au service. Oui, Stacy Fidji, ça fait déjà son troisième service. On voit aussi que sur les rotations d'avant, elle avait fait des points au service. Donc elle apporte beaucoup d'efficacité dans ce secteur de jeu. Allez, on la retrouve là, ici au service, Stacy Fidji. Oui. Qui fait beaucoup de mal à la défense mauricienne. Voilà, très bon service encore. Voilà, attaque aux 3 mètres des Rives. C'est dehors, c'est trop fort. C'est trop, ouais. Ouais, elles sont en difficulté en réception actuellement, l'équipe mauricienne, donc ça oblige la passeuse à jouer. Et c'est difficile de corriger, de rectifier le tir par la suite. La passeuse court beaucoup, elle prend les balles à 4-5 mètres du filet. Donc elle ne peut pas faire de miracle au point 100. Voilà, très belle réception. Là, c'est pas mal du tout. Et voilà, tout de suite. Et voilà, dès que la réception mauricienne est en place. La passe va suivre. Voilà, belle passe, belle attaque. On voit toutes les qualités athlétiques et toutes les qualités de frappe de ces attaquantes mauriciennes. C'est pour ça qu'il faut absolument que... On dit bien que ce match se joue dans le secteur du service et de la réception. C'est un duel service-réception pour l'instant. Et l'équipe qui tiendra le mieux ce secteur de jeu aura une chance de prendre l'avantage ce soir. Lisabonne qui a fait son entrée pour servir. 20 à 11. 9 points d'écart entre ces deux formations, ces deux équipes maintenant. Ah oui, bon service. Hein. Elle était partie par la bande du filet. Oui, mais elle était partie pour un service court, donc cette balle est pile tombée sur la bande du filet. Elle a un petit peu avantagé, mais bon. Aujourd'hui, le filet fait partie du jeu, donc on a le droit de céder de la bande blanche du filet, de cette bande pour marquer les points. Donc on voit que, à quel point il faut être vigilant après sur le jeu de réception. Lisabonne. Ah, voilà. Le problème, c'est que derrière. Trop fort, trop loin. Voilà, derrière, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que elles sont obligées de prendre des risques au service maintenant pour pouvoir embêter les joueuses réunionnaises et que s'il n'y a pas de prise de risque, il n'y aura pas de points. Ah, pareil, c'est pas les réunionnaises ne doivent pas faire le faute. Elles n'ont pas actuellement c'est pas à elles de rentrer dans ce secteur de jeu. Elles doivent obliger les mauriciennes pas à faire les points. Pas à ce moment du jeu. Elles doivent forcer les mauriciennes à aller faire les points. Vanessa Chelumben. Voilà, ce qu'elles ont à faire, c'est voilà. Balle bien jouée, mais elles avaient défendu également. Effectuer leur side out. Ah ouais, un manque, c'est un petit peu confus.
Là, le jeu réunionnais est un petit peu brouillé. Là, c'est pas très, très beau. Un peu brouillon. Ouais, c'est pas brouillon, c'est brouillon. D'où le temps mort demandé hein, par l'entraîneur. Voilà, je pense que tout de suite, David Françoise. Tout de suite, David Françoise a pu voir un petit peu son équipe douter, son équipe faire des erreurs à un moment où elles ne doivent pas le faire. Et comme on dit tout à l'heure, ce fameux service qu'elles mettent dehors, alors qu'elles doivent forcer l'équipe mauricienne à faire ce qu'on appelle le side out, c'est-à-dire qu'elles doivent faire tourner, c'est à elles, les mauriciennes, de trouver la solution, réception, passe attaque, de faire les points. Et là actuellement, c'est les réunionnaises qui donnent les points. Ce qui est en train de relancer les mauriciennes dans la partie, parce que relancer le débat. Voilà, 5 points, c'est très vite remonté en volet féminin. Ça va très très vite. Hein. Vanessa Chedamben. Et on voit bien, regardez tout de suite. Hein. Voilà. Très bon service. Très bon service. Très, très bon service en difficulté. Pareil. La libéro, Gaëlle Marian. Gaëlle Marian, alors que c'est son rôle. Elle est là pour ça. Elle doit absolument stabiliser cette réception réunionnaise. La Réunion doit tourner tout de suite. Hein. Voyez, encore une fois de plus, cette réception très loin du filet. Voilà. Et on n'arrive pas à corriger quand même là. Voilà, à partir du moment où la réception est loin du filet, il y a une seule solution qui s'offre à la passeuse Isaobourus, c'est une balle haute en 4. Et pour l'instant, les Réunionnaises ne trouvent pas la parade face au bloc mauricien qui est bien organisé. Très bonne série cette fois pour Vanessa Chedamben. Bien servi encore une fois. De plus, voilà. Bon bloc des Mauriciennes. Ouais, encore bon bloc. Ça va revenir. Allez. Et cette fois. Cette fois, elle a joué les mains. Natacha, une balle sur le fil. Natacha a joué un bloc out très intelligent. Hein, c'était important de tout de suite tourner parce que ça aurait fait 20-18 et dorénavant ça fait 21-17. 21-17. Donc, c'est pas du tout le même score, donc c'est important. Myriam Kloster au service, capitaine de cette sélection réunionnaise. Pareil, voilà, bon bloc. Voilà, là, c'est là c'est important, voilà, on bonne voit couverture. Bien la bonne organisation. Passe dans le dos, mais c'est smashé directement dans le filet. Dommage parce que un très bon soutien, une bonne relance et l'attaquante de poste 2 à Maurice qui fait une grosse faute directe. Et à ce moment du jeu, 22-17, c'est important. Ce set. Ouais, c'est important, voilà. avec Myriam Kloster qui est au service. Ça se paye cash. Ouais, vous voyez, on voit que là, voilà, automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer, Natacha Taristas, très bon bloc, mais ça va revenir. Voilà, hélas. La balle va être donnée facilement. Ouais, là, Tendry, un bloc bien bloqué, un bloc réunionnais. Et voilà, là, intelligemment très, joué très, là très de la part. Très belle feinte en Isaobourus. Deuxième main d'Isaobourus. Ouais. Là, ça a surpris tout le monde. Hein. Tout le monde pensait qu'elle allait distiller une balle en poste 4 ou en poste 2. Et en restant pied au sol, elle a très 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 bien masqué cette feinte qu'elle a déposée. Finalement, au cœur c'est du l'équipe terrain. Qui a su gérer les différentes situations tout au long de ces deux premiers sets qui est devant au score. Tout à fait. Là, pour l'instant, voilà, il y a un peu plus de réalisme. Et dans les moments importants, dans cette gestion des points, dans cette gestion des ballons. Hein, dans ses contre-attaques et voilà, à nouveau un bon service, voilà, à 23, voilà, 23-17, hein, belle relance, la relance est un petit peu courte et ouais, on n'arrive pas à prendre le bénéfice de cette balle là et bloc out de la capitaine mauricienne, hein, Nathalie Le Tendry, très bon bloc out, 26 ans, troisième participation aux Jeux des îles de l'océan Indien. Et le coach, elle a connu quand même des moments difficiles hein, avec la sélection mauricienne en 2007 et 2011, pas un podium. Mais je pense que ça aide, ça forge aujourd'hui. Ces joueuses-là doivent avoir un mental à toute épreuve. Quand on a subi de tels revers pendant deux Jeux des Îles, je crois que quand on voit aujourd'hui comment elles jouent, beaucoup de joueuses ont disparu du circuit et certaines sont encore là. Et on voit que c'est des leaders et... À nouveau, un la point important Natacha, marqué là quand même par les réunionnaises. Natacha Taristas, hein, l'élément important là, c'est vraiment la clé de ce système. Ouais, elle arrive à faire la différence au bon moment. À chaque fois, voilà. C'est ce qu'on peut voir. Elle varie très bien ses attaques. Un coup sur la ligne, un coup d'ala, on vient de voir, c'est une belle attaque en diagonale. Isaobourus, ouais. Bien réceptionné ce ballon, la passe, elle n'est pas bien assurée. Bien du filet, voyez encore, voilà la défense et. Voilà, encore une fois. Voilà, c'est Natacha Taristas. Natacha Taristas. C'est vrai, c'est elle qui a
On peut dire quelque part que le coach réunionnais lui a donné les clés de la maison. 25-18 pour lui, dans ce deuxième set. Comme on dit, il lui confie les clés de la maison pour boucler les sets. Ah. On voit bien que là, à chaque fois, elle se retrouve devant, c'est elle attaquante. Et elle est à la hauteur de la tâche qu'on lui confie. Hein. Elle est à la hauteur et elle est très très bien parce que là, elle vient d'effectuer deux attaques plus une troisième attaque sur la balle de 7. Très très bien claquée alors que le bloc mauricien était formé. On peut dire que voilà, elle a petite joueuse, petit gabarit, mais grande par le talent. En tout cas, la réaction des Réunionnaises à chaque fois que l'équipe mauricienne a tenté de rehausser son niveau du jeu, eh bien les Réunionnaises ont su réagir par rapport à ça. Et c'est là où réside la force vraiment de l'équipe nationale de la Réunion. Beaucoup d'expérience, ça on l'a senti tout au long de ces deux sets. Et voyez là la rage de Natacha Taristas. Ouais. Elle arrive à faire la différence. Non, très belle différence, très belle attaque. Alors on voit bien hein, sur les trois dernières attaques qu'elle a fait. Elle a fait une attaque sur la ligne block out, une diagonale. En petite diagonale et un poste 6. Donc ouais, elle arrive à bien varier quand même son jeu. C'est très important, ouais. C'est très 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 bien. On voit que toute la qualité de ces joueuses, on voit que deux sœurs Taristas les squads, il y a Natacha, c'est une équipe, c'est une équipe avec les sœurs parce que il y a également les sœurs Posé, Aurélie Posé qui normalement est la pointue de cette équipe mais qui est légèrement blessée sur la dernière match de préparation, qui ressent une petite élongation et que donc le staff réunionnais a préféré laisser au repos. Et sachant que, côté, comme on l'avait dit, que les deux équipes sont automatiquement qualifiées pour les demi-finales. Pour les demi-finales. Il ne faut pas prendre de risque avec ça. Et Aurélie sera opérationnelle d'ici 2-3 jours. Donc c'est dans la gestion quand même de l'escouade. C'est de notre côté aussi, on a deux sœurs, Joanita Latour et Lucie Latour. Voilà. Non, ça. Le Tendry, Armougom, Latour, Christine qui est là, Rachel, Christine, libéraux de cette équipe mauricienne. Et là, en gros plan, Myriam Kloster, capitaine de cette belle équipe, de cette belle sélection réunionnaise. Oui, pareil. Je crois que ce qui est important de souligner dans ces deux équipes, ce qui est important de souligner dans ces deux équipes, c'est la jeunesse de ces équipes. Ouais. On voit que là, même si quelque part, je crois qu'une ou deux joueuses ont 30 ans dans chaque équipe, mais on voit la plus âgée, Julie Adèle. Dans cette équipe réunionnaise. Julie Adèle. Adèle Julie, oui, voilà. Ouais, 30 ans. Et après, c'est toutes des jeunes joueuses. C'est des joueuses qui ont à peu près entre. Bon, bah, à part, je les connaisse, Cécile Fidji qui a 16 ans, 17 ans. Et après, ça, la plus vieille doit avoir 25, 26 ans. Donc, quand on sait que une joueuse de volley à haut niveau arrive à peu près à maturation dans son niveau de jeu entre 25 et 30 ans, ça laisse présager encore un bel avenir pour cette sélection réunionnaise. Et je vois aussi que l'équipe mauricienne a l'air très très jeune aussi. Hein. Oui, une moyenne d'âge d'environ 23-24 ans. Voilà, on le voit le service bien. Roxane Posé. À tout de suite, hein, voilà, on entame. Mais en difficulté quand même. Ah, et voilà, encore une fois de plus. Ah, mais là, elle n'a pas pu vraiment profiter de l'occasion. Ouais. Hein. Même entame que tout à l'heure, hein, elle sert bien, elle a l'avantage et elle a un ballon facile à négocier alors qu'elle doit jouer cette balle à 10 doigts, elle veut faire une manchette et elle se rate complètement, c'est des erreurs qu'elle ne doit pas faire. Le Tendry au service, bonne réception et le smash de Myriam Kloster qui fait mal, très mal à l'équipe mauricienne. Belle attaque de Myriam, mais il faut admirer le travail d'Isa Bourris, la passeuse, qui est partie chercher une balle assez difficile, assez basse, et qui a relancé cette balle. Elle a reçu quand même le ballon dans de bonnes conditions. Ouais, hein. Voilà.
Voilà, difficile. Alors on va voir Mademoiselle Latour. Voilà, très performante. Ah, c'est ce qu'elle a tout à l'heure, elle avait douté un petit peu en début de set et là ça y est, elle réentame correctement hein, sur ses balles difficiles. Et elle, ça va lui permettre de reprendre confiance en elle. Elle négocie bien, elle négocie bien ses balles difficiles, c'est important. Alison Latour. Ah, à nouveau, voilà, c'est travers au service. Les Mauriciennes doivent absolument stabiliser ce secteur de jeu. C'est très important, hein, l'engagement, il faut faire douter la réception. De garder quand même la concentration intacte jusqu'au bout. Voilà, il faut faire douter cette réception réunionnaise, c'est important. On a bien vu que... Oh là là, quel contre des Réunionnaises. Avec entre autres Myriam Kloster. Ah oui, Myriam Kloster, hein, c'est la meilleure bloqueuse. Hein, cette année, elle a été élue. On revoit ça au ralenti. Élue meilleure bloqueuse du championnat de France. C'est ses qualités. Donc, Anne-Cécile Vidotte à nouveau au service. Encore un bon service long. Très long service. À nouveau encore, voilà, un ballon bien freiné. Voilà, pas de faute. La balle reste en jeu. Ah, bien. Hein, slicé, on va dire, part de Lisabonne. Ouais, petite balle feintée, on ne peut pas trop savoir, mais comme on dit, l'important, c'est que la balle tombe par terre. C'est ça la priorité. C'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de mettre la balle par terre. Il ne faut pas toujours chercher à faire les gestes les plus parfaits. L'entraîneur, lui, ce qu'il veut, c'est que la balle tombe par terre et puis voilà. Donc quelque part, qu'importe la manière, le plus important c'est de marquer des points. Eh oui, c'est ce qu'on vous apprend au tout début quand vous apprenez à jouer au volleyball. Oh là là, quelle percussion de Natacha Taristas, elle ne descend pas son niveau, elle est extraordinaire ce soir. Il y a un vrai duel hein, sur ces bouts de filet, on peut voir au premier match. La malgache Lala, on peut voir Latour aussi à Maurice, Taristas à La Réunion. Voilà, on voit des très belles attaquantes, hein. On voit des attaquantes percutantes avec des balles très très bien frappées. À la balle, voilà, balle feintée. Elle a essayé de feinter, de placer. C'est dehors. Ouais, non. Mais oui, balle annoncée dehors, juge de la juge de ligne. Très bien placé. Égalité parfaite. 4 partout. On est dans le troisième set. Si vous venez de prendre l'antenne, 26-24 pour La Réunion dans le premier set. Bonne réception. Réunionnaise également dans le deuxième, 25-18. Voilà. Bien bloc frappé. Out. Très bon bloc out de Natacha. Natacha Taristas. Qui enchaîne là. Elle était en difficulté. Qui donne du fil à retordre quand même aux Mauriciennes. Elle est en forme ce soir. Ce soir elle est brillante. Hein. Ça a été depuis. C'est une joueuse qui est en pleine progression depuis un certain temps. C'est déjà une joueuse majeure du championnat local. Et là elle montre ce soir à quel point maintenant elle est brillante au niveau international. Bloc de Stécie. C'est super Stécie bien Fiji, travaillé quand même là. Voilà, Stécie qui apporte, voyez, comme on peut regarder bien la hauteur de bloc, voilà. On voit bien le franchissement des mains de Stécy, l'action des mains vers le sol. Et ce ballon qui redescend très vite. Ah là là, mésentente sur la passeuse qui joue dans son dos. Alors que l'attaquante était partie devant. Ce qui permet à La Réunion de faire le premier petit break, 7-4. Toujours Isa Bouris au service. Service smashé. Bien servi, bien réceptionné aussi. Rachel Christine pour belle la réception. Belle balle. Oh là là, belle attaque. On peut voir la hauteur de la capitaine mauricienne. Oui, très très belle réception, bien accélérée par la passeuse. Et surtout une très belle hauteur d'intervention, une très belle attaque de la capitaine mauricienne. Il n'y a rien à dire, le point est très beau. Félicia Julie. Ouais, belle. Ouais, le c'est service dedans. Est sur la ligne. C'est dedans. Annoncé bonne par la juge de ligne. Exactement. Très bien servi. Et là, ce qui permet aux Mauriciennes de recoller à un point. À un point de La Réunion. Alors, est-ce que les Réunionnaises vont réussir à passer Félicia Julie, au temps mort technique. Bien servi. Et oui, c'est nouveau, dedans encore une même fois. Même service. Oui. Ballon annoncé à l'intérieur des limites du terrain. Ouais. C'est très 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 bien fait, très très bien servi hein, de la part de Félicia Julie. Félicia Julie. Ah, qui a changé sa zone d'impact.
Et voilà, ballon contré. Comme on le disait tout à l'heure encore, il sort par dans la le suite. Moment important, Natacha Taristas, c'est elle qui obtient ce huitième point. Hein, on a la libéro fait une bonne réception, la passeuse prend la balle en suspension et Natacha Taristas arrive en s'appuyant sur les mains du bloc, arrive à convertir ce point pour permettre à La Réunion d'arriver en tête sur le premier temps mort technique. Mais là, on est dans l'égalité des points. Hein, ça se... Regardez bien, voilà, ces points à chaque fois, ces balles qui sont bien bonnes. Hein, de Félicia Julie, ouais, on a revu ce service. Deux fois mal jugé hein, par la réceptionneuse réunionnaise. Alors Natacha Taristas, alors, elle arrive à chaque fois lancée sur ses balles bien servies. Ouais. Et puis, c'est ça qui lui permet quand même de mettre beaucoup de force quand même. Ouais, c'est sa vitesse. Sa vitesse en fait elle utilise, c'est pas une joueuse puissante. Hein. Hein, on voit bien son physique, mais elle utilise sa vitesse et comme on sait hein, que pour frapper fort, il faut aller vite. Il faut un bras qui va vite et c'est le cas de Natacha. Natacha a un bras qui va très très vite. Hein, et c'est ce qui lui permet bien souvent de rattraper les ballons et d'anticiper sur le bloc adverse. On va retrouver Natacha Taristas ce service flottant de loin. Vous voyez, elle est très très loin, elle sert flottant. Bien réceptionnée par Lucie Latour. Voilà, le bloc réunionnais à nouveau. Détendri encore une fois pour voilà, placer maintenant. Bien défendu. Voilà, à chaque fois, voyez, là on est obligé de jouer avec la joueuse arrière. Voilà. Alors ouais. Ça, c'est des points qui sont intelligemment construits. Hein, on ne fait pas la faute. On fait une feinte, on oblige l'attaquante avant à défendre, ce qui fait qu'il n'y a plus de joueuse au filet. On est obligé, la passeuse est obligée de jouer sur la ligne arrière. Et ce qui provoque la faute de l'attaquante mauricienne. Natacha, à nouveau au service. Voilà, belle réception, belle accélération. À nouveau encore, ouais. Alors, Stacy Fidji est en train de marquer son territoire devant. Elle est en train d'annoncer à l'attaquante mauricienne, c'est fermé, il va falloir trouver autre chose. Ça fait trois fois qu'au bloc, dans son duo, dans son association avec Roxane, qu'on a du mal à passer sur ce secteur. Mais c'est du côté des mauriciennes qu'il va falloir trouver d'autres façons de percuter. La solution a été trouvée, la réponse est là. Prendre la balle plus haute et au lieu de vouloir frapper, planter la balle dans le terrain, jouer les balles à 8-9 mètres, jouer le haut des mains. Est-ce que l'attaquante mauricienne vient de très bien effectuer? Elisabeth Mongou. Oh, très bien servi. Voilà. Allez, c'est pas la passeuse qui prend la balle, donc il faut faire attention. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ah là là, la balle est mal négociée. La passe dans le dos. Belle défense à nouveau Natacha Taristas. Allez, Madame Bidotte, il faut se lâcher maintenant. Bon bloc. Allez encore, très bon bloc mauricien, oh oui. Deuxième fois, ça a très bien marché, mais bien défendu également là par les réunionnaises. Belle présence des mauriciennes, belle présence. Balle courte, belle présence, malheureusement, bloc, ne voit, fonctionne pas. Ouais, on voit la présence au bloc de Roxane Posé, hein, qui fait bien le travail, qui était bien restée vigilante, qui avait anticipé. On peut dire qu'elle avait pris une option parce que c'était pas gagné de s'engager sur la centrale, elle avait pris une bonne option. L'option était payante, si la passeuse avait mis la balle à l'aile, ça aurait été différent. Mais bon, bonne lecture, elle avait bien lu. Voilà. 11-8. Bon service. Myriam, voilà. Kloster qui attaque le ballon au filet. Voilà. De brillante manière là. Voilà, ce qu'on appelle dans le volleyball un très bon enchaînement service-bloc. C'est que le service met la réception en difficulté. Et si la réception revient en face, c'est le bloc qui finit le travail. Très bien effectué. À nouveau au service Roxane. Bonne réception. Et voilà. Et le bloc de Myriam ça y est, là, Myriam est lancée sur ce secteur de jeu. 13-8, temps mort de cette équipe mauricienne. On revoit ce bloc. Oui, c'est très bon bloc. Hein. On peut voir ce franchissement. Ce smash. Oui, on peut voir ce franchissement. Une très belle lecture. Elle avait déjà lu l'angle d'attaque de la mauricienne. Regardez, elle est sur ce retour. Et ça ne pardonne pas. Hein, ce genre de réception. À ce niveau, ça ne donne pas.
c'est des erreurs automatiquement, hein, quand la réception revient direct, on doit pas faire cette faute. Et là pour l'instant les réunionnaises sont devant 13-8 dans ce troisième set. Ça va être dans la gestion à partir de maintenant. Voilà, pour les réunionnaises. Maintenant il faut surtout pas se relâcher, il faut surtout pas regarder le score. Il faut jouer on revoit encore. Roxane Posé au service, bon service. Elle met en difficulté la libéro, ça va attaquer en deuxième ligne. Voilà, et à nouveau, très bon contre mauricien. Mais les réunionnaises qui se ressaisissent qui se battent bien. Out, balle dehors. Ah, c'est actuellement. On revoit d'ailleurs cette action ralentie. Le tendri. Elle a voulu éviter le bloc, hein, on voit bien le. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce bloc réunionnais, hein, avec Stacy Fidji, Myriam Kloster, hein, on a pu voir, regardez à nouveau. Cette présence sur ce bloc, c'est important. Et voilà. Et là, ça fait. Super mal cette équipe mauricienne. Elle a touché le filet. L'attaquante réunionnaise, Anne-Cécile Bidot, à la fin de son attaque, dans sa gestuelle, a posé la main sur la bande du filet. Ce qui a été bien vu par l'arbitre séchellois. On voit ça au ralenti, c'est vrai. À partir du moment où la balle n'est pas encore par terre, la faute est comptabilisée. Faute indiscutable. Oui. Le tendri au service. Voilà, bonne réception. Oui, de la part de Gaëlle Marion qui permet. Belle attaque de Myriam Kloster encore. Pas tout le moment, la réception est là. Mais différence se fait au niveau de la réception. Voilà, Gaëlle Marion a été exceptionnelle. Là. Voilà, pour l'instant, Gaëlle arrive à tenir. Elle a eu un petit passage à vide dans la fin du deuxième, on l'a vu tout à l'heure. Mais sinon, pour l'instant, elle tient très bien la réception réunionnaise. Et ce qui permet à Isa Bourris, comme on dit, la passeuse d'être dans un fauteuil et de distribuer son jeu comme elle l'entend. Exactement. Voilà, regardez, hop, et là, enchaînement de Bidot. Voilà, on va construire, on va prendre son temps. Encore une fois, c'est touché. Et la balle est annoncée bonne. Ça a été touché par le bloc mauricien. Ouais, la balle est touchée sur le. Ouais. On va peut-être revoir l'action sur le ralenti. 16-9. Mais 16-9, là, une confortable avance. Mais on peut observer que même en étant mené 16-9, l'entraîneur réunionnais est dur. Est-ce que le ballon touche la main ? Touché. Ouais. On voit que l'entraîneur réunionnais continue à haranguer ses ouailles. Hein, son équipe fille, parce qu'il sent que c'est une rencontre qu'il ne faut pas lâcher. Prendre une première victoire 3-0 serait très importante au niveau du set à verrage dans l'éventuel deuxième match de demain, où s'il y avait un 3-0 ce soir, ça ferait donc un set demain suffirait aux réunionnaises pour être première de la poule. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense que... C'est pour ça qu'on parlait un peu plus tôt de gestion à partir de maintenant. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, là les Mauriciennes doivent aller chercher ce match, doivent aller faire. Les Mauriciennes ne doivent pas attendre que les Réunionnaises leur donnent leur match. Et inversement, les Réunionnaises ne doivent pas attendre les fautes des Mauriciennes. Elles doivent continuer à faire le jeu. C'est leur. Voilà, il faut continuer à défendre. C'est important. Voilà. Deuxième ligne. Voilà. Bien et fait. Voilà, Stacy Fidji, cette attaque en 3 mètres, cette attaque en deuxième ligne. Qui joue avec le bloc mauricien. Stacy Fidji. Un bloc mauricien qui n'était pas vraiment en place. Pas très bien formé, pas très bien en place. Stacy Fidji qui fait une très bonne prestation ce soir, hein, puisqu'elle remplace la pointe de cette équipe réunionnaise. Elle remplace Aurélie Posé. Je crois que ça va être dur pour Aurélie Posé de reprendre sa place. Parce qu'autant la prestation. Oh oui, belle attaque de Bonne. Ah, elle a bien joué avec Lisabonne. Voilà, Lisabonne avec le bloc réunionnais. Elle a joué avec les mains de Myriam Kloster, qui n'a pas assez franchi, qui est montée très haute, mais qui n'a pas été chercher la balle assez loin en face. Donc 17-10 au score et le service à Alison Latour. Un bon service, bonne. Voilà, la balle est bien tenue par la. Voilà, la balle est bien. Voilà. On peut pas construire au niveau de Maurice. Ça enchaîne. Et voilà. Attaque basket de Myriam Kloster. Belle relance, hein, la libéro réunionnaise bien présente dans ce jeu de relance qui s'impose bien.
qui prend sa place, qui voilà, et puis après Isabouris qui développe son jeu correctement. Bidot qu'on retrouve au service. Au service. Service flottant. Hein. Bien joué. Ouais, balle dehors, c'est dehors. Annoncé dehors. Je crois que l'intention était bonne. Ouais, l'intention était bonne. Mais je crois que le tournant de ce match aura été cette fin de première set à 26-24 hein, qui aura après, à mon avis, pesé dans les esprits mauriciens. Et qui a servi de déclic. Et qui a servi de déclic à la Réunion. On voit maintenant une équipe beaucoup plus mobile, beaucoup plus agressive. Beaucoup plus relâché également. Voilà, et puis un bloc, voilà. La jeune Isabouris en un contre un hein, qui va attraper l'attaquante du bout de filet. On est à 20-10 dans ce troisième set. Ouais. C'est plié ouais, c'est pour la Réunion. À la Réunion en train de livrer de livrer une belle prestation. Là. Ça y est, c'est pareil, c'était un bon match d'entrée. Oh là 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 là! Là ça tourne à la démonstration oui, là, là, pour là, les là, réunionnaises là, 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 quel... avec Myriam Kloster. Quelle attaque de Myriam Kloster sur un très bon service d'Isabouris. Dans le dos hein. Dans le dos, cette fameuse attaque basket. Hein, c'est, exactement. C'est une arme redoutable. Hein, ça fait partie, c'est l'arme de ce alors, jeu. Alors Stéphane Moisy, est-ce que c'est l'équipe réunionnaise qui a gagné, qui a rehaussé son niveau de jeu au fil des échanges, au fil des sets, ou c'est l'équipe mauricienne qui a baissé d'un cran? La Réunion a tout petit peu haussé son niveau de jeu par rapport au début du match, mais par contre je pense que les mauriciennes ont baissé leur niveau de jeu, les mauriciennes à la perte de ce premier set, je crois, ont pris vraiment, qu'on peut dire, un coup de massue sur la tête. Et on voit que d'un seul coup, elles ont fait beaucoup plus de fautes, elles sont beaucoup moins agressives. Et peut-être que physiquement également, elles ne sont pas au point. Peut-être que physiquement, elles ont peut-être dépensé beaucoup d'énergie dans ce premier set pour arriver à 26-24. Elles ont tout donné. Elles ont tout donné. Et c'est vrai qu'après, quand on a défaite, le mental n'a pas pu prendre le dessus. Et là, on est à 22-11 avec Myriam Kloster au service. Le cop, belle attaque en deuxième ligne de la tour. On va dire une bonne petite réaction de la part des Mauriciennes. Oui, les Mauriciennes. À 22-12. Les Mauriciennes qui lâchent pas. Hein, elles savent aussi, comme on l'a dit, que chaque point peut avoir sa valeur. Et puis que c'est le premier match de tournoi, donc il faut jouer les coups à fond. Lucie Latour. Voilà, belle réception. Oh, belle, attaque voilà. Bien construite, mais oui, le bloc aussi était là, présent. Hein. Très beau bloc de chez Lumben, la passeuse mauricienne. Très très bonne présence au bloc, hein, cette grande passeuse mauricienne. Lucie Latour encore. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, même à 22-13, le coach réunionnais qui prend son temps mort. Hein, qui remobilise ses filles, voilà, on voit bien, on lit bien sur ce qu'il entraîne actuellement, il est en train de leur dire, on joue point par point, il faut 3 points, on ne regarde pas le score. C'est comme on dit à ce moment-là, c'est dans la tête que tout se joue là, hein, il faut vouloir finir la partie tout de suite. On sent qu'elles sont contentes, hein, les réunionnaises. Oui, les réunionnaises. Ouais, elles ont fait le boulot. Elles ont fait le boulot de manière correcte. Convaincante. Ouais, très très correcte, bien convaincante. Elles font une bonne entrée dans la compétition. Elles montrent, elles mettent leur jeu en place. Par contre, pour les Mauriciennes, il va falloir montrer plus que ça, hein, pour pouvoir. Les Mauriciennes, le plus loin possible dans ce tournoi. Les Mauriciennes montrent de très belles qualités. On voit juste que ce soir, ce qui aura manqué à l'équipe mauricienne, c'est le secteur service-réception. Si elles arrivent à stabiliser ce secteur de jeu, je pense que les Mauriciennes pourront vraiment embêter toutes les équipes. Maintenant, il faut qu'elles fassent l'effort dans ce secteur de jeu. Bonne défense. Voilà, encore belle défense de la libéro. Et Natacha Taristas. C'est dedans. Qui joue avec, c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Une fois de plus, dès que l'équipe réunionnaise se sent un tout petit peu en difficulté, dès que l'équipe a l'impression de perdre un point ou deux, la jeune Isabouris rejoue avec Natacha Taristas. C'est à elle qu'on redonne les ballons, c'est à elle qu'on demande de faire l'effort, d'aller faire les points. Et la Réunion qui n'est qu'à deux points maintenant. 2 points, 23-14.
Là, voilà. De ce match. Et oui, belle attaque en deuxième ligne, aux 3 mètres. Des réunionnais, des mauriciennes. Roxane Posé qui a touché cette balle au contre. Au service, Félicia Julie. Numéro 18 de l'équipe nationale mauricienne au service. Pour essayer voilà, de faire douter la réception réunionnaise. C'est ce qui est en train de se passer. Très grosse faute de Stacy Fidji en réception. Réorganisation du coach qui demande à Stacy Fidji de s'avancer. Elles vont jouer à deux en réception, Julie Adèle et Gaëlle Marian. Elles vont être que deux sur la réception. Très bien fait. Et balle portée en défense. Exactement. Balle portée, on voit bien. Bien vu par la première arbitre. Et donc c'est Natacha Taristas, hein, un peu à l'image, qui va avoir l'honneur de servir pour de cette balle de match. Voilà. On a 8 balles de match pour la Réunion et Natacha. Meilleure joueuse quand oui, même de cette oui, je pense sélection que nationale réunionnaise. Mais dommage, ce ne sera pas pour elle. Bien défendu. Mais bon, belle attaque. Natacha qui, si on devait ce soir élire une MVP sur ce match, serait la MVP du match. Hein, avec la prestation qu'elle a eue. Elle a été présente dans de nombreux domaines. Surtout, elle a eu à négocier tous les ballons importants de cette sélection réunionnaise à des moments très importants. C'est la passeuse Isa Bourris s'est appuyée sur elle, lui a donné les ballons et Natacha a très bien converti ses balles. Natacha a montré cette maturité, cette expérience pour bien négocier tous ses ballons. Alors ce que nous ont proposé les Mauriciennes dans le premier set, eh bien, elles n'ont pas pu reproduire le même niveau de jeu, ouais, la même qualité technique que dans les autres sets. Ouais. Ah ouais, il y a eu beaucoup plus de mal. Hein. On voit bien, c'est ce secteur service-réception. Voilà, on va voir là. Biel fait bien, ça tient bien. La réception tient bien, sauf que quelque part, on fait des erreurs. On fait des erreurs sur le jeu. Ballon pas assez haut hein, pour pouvoir l'attaquer. Ballon trop bas pour la centrale, Roxane Posé. David Françoise qui tout de suite remet Anne-Cécile Vidotte. Alors que bon, Julie Adèle a fait une très bonne rentrée, a bien stabilisé le jeu arrière hein, sur ses qualités de réception et de défense. Très bonne réception. Ça peut faire très mal, attention, mais c'est complètement raté là. Et ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque point est important. Il faut être efficace là. Il faut finir maintenant. Il faut finir parce que la Réunion pourrait s'embarquer dans une rencontre difficile si elle n'arrivait pas à tourner maintenant. Voilà, c'est la position compliquée. Ah là là, la faute de fil de la Mauricienne. Et le point est accordé à la Réunion. Oh là là, victoire de la sélection réunionnaise. 3-7 à 0. 26-24, 25-18 et 25-19. Le public réunionnais qui est... En une seule occasion, cette équipe mauricienne a su faire douter les réunionnaises. C'était dans le premier set. Dans le premier set, ouais, elle a fait douter et la on voit Réunion, bien, ouais. Voilà. Sur ce ralenti, ouais, il y a cette faute. Cette grosse faute. Au filet. Cette grosse faute ouais, qui donne la victoire. Callison Latour, cette grosse faute qui donne la victoire. C'est dommage parce que... Les Mauriciennes en tout cas, le public en a série, eu pour ouais. son argent. Ouais, les Mauriciennes étaient très bon match belle série. Ouais, c'était un beau match ce soir. Je pense que on a été gâtés ce soir. On a eu deux très beaux matchs. Madagascar-Maldives pour la première participation des Maldives au 9e jeu des îles. Pareil, une belle rencontre plaisante. Première participation très encourageante. Très pour encourageante la suite, pour la suite. Et puis là, il y a eu quand même une prestation d'un autre niveau. Hein. Et la Réunion qui précise quand même ses intentions dans ces jeux qui se tiennent sur le sol réunionnais. Ah bah il était devant leur public là, les réunionnais ont fait le boulot. Ce soir il fallait absolument marquer l'entrée dans ce tournoi par une victoire. Elles l'ont fait correctement avec un 3-0. Et un premier début de set un petit peu compliqué en faisant 26-24 alors que
Maurice avait presque fait la course en tête quasiment tout le set. Et puis les Réunionnais ont rebasculé devant à partir de 20, revenu à égalité à 22 partout. Et puis après se gagner. Et après, je pense que là. Le support du public a été quand même. L'apport du public, important. Hein. L'important, les Mauriciennes qui ont pris un petit coup sur la tête quand même sur cette perte de match, sur cette perte de set du premier set. Et les joueuses qui vont remercier leur public. Voilà, c'est ça aussi la beauté du sport, la communion entre les joueuses. Ben et voilà, le public. On va se quitter sur ce score, voilà, sans appel. Ce score sans appel. Les Réunionnaises, 3-7-0, 26-24, 26-18, 25-18 et 25-19. Voilà le score ici au gymnase de Champfleury à Saint-Denis pour ce premier match de la poule P. La poule B, Il y aura un match retour entre ces deux formations demain. Soir, à la même heure, même jeu, même endroit et même ambiance. Même ambiance, on l'espère. Merci beaucoup Stéphane Moisy d'avoir été notre consultant. Merci à vous, ça a été avec un grand plaisir. Consultant, vous serez là demain également. Demain je serai là tout le long du tournoi avec un grand plaisir que je continuerai à commenter ce tournoi India Océanique. Oh là là. Merci à toute l'équipe technique réunionnaise sous la direction de Gilmer Filoé. Merci à vous, chers téléspectateurs des îles de l'océan Indien. Merci à tous, bonsoir. Et suivez les Jeux des îles de l'océan Indien, la 9e édition. Merci. Jusqu'au 9 août prochain. Voilà. Très bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.